Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo, premièrement, que j'avais pas vraiment planifié de faire. Ma vidéo pour cette semaine était déjà filmée, enregistrée, tout était complété. Mais il s'est passé comme deux petits trucs aujourd'hui que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est des choses qu'on voit régulièrement dans la société. Je vais vous parler de jugement entre les femmes. Alors, si jamais vous voulez savoir mon opinion là-dessus et savoir qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Si c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous aimez ce genre de pep talk-là. Sans plus tarder, on va commencer. Il y a une mouche, maudite affaire. J'avais vraiment pas prévu, comme j'ai dit dans l'intro, de faire cette vidéo-là, fait que c'est pas planifié, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire exactement, mais je sais ce que je veux lancer comme message, en tout cas. Comme je vous ai dit, c'est passé deux choses aujourd'hui. La première étant que je suis allée dans un magasin random, vraiment pas rapport avec la mode ou quoi que ce soit, puis même si ça avait eu rapport. Et puis je cherchais un article pour l'école, fait que j'ai demandé à la dame à la caisse, tu sais, où est-ce que c'était cet article-là? Et puis elle m'a regardée de la tête aux pieds avec un visage de dégoût. Et puis sans blague, je me suis... Pour vrai, sur le coup, j'étais un petit peu restée bête. Ça m'a choquée un petit peu. Je me suis demandé comme, pourquoi? Ok, peut-être t'aimais pas comment j'étais habillée. Je revenais du gym, j'étais tout rouge. Ça avait pas rapport. Mais pourquoi ce visage de dégoût-là? Connais-tu? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait que t'as pas apprécié? Je penserais pas parce que c'est la première fois qu'on se voit. Et puis, ouais, ce visage-là, pour de vrai, je l'ai trouvé rough. Puis je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis l'autre affaire, je revenais de l'école, puis c'était pas par rapport à moi, mais j'ai été témoin de ça. Puis c'est exactement la même chose qui s'est passé. Une fille marchait, la fille était super belle, mais pas, tu sais... Too much, elle était bien correcte, une vraiment jolie fille. Et puis, il y en a une autre qui passe, qu'elle aussi était belle. Puis, elle le regarde, mais elle l'a regardée. Elle s'est même retournée pour lui faire un visage de dégoût. Puis, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est vraiment rendu au point de se dévisager à ce point-là? Pourquoi? Parce qu'on trouve que la personne est jolie, parce qu'on trouve qu'elle est plus belle que nous, parce qu'on trouve qu'elle a quelque chose de plus que nous. Pourquoi? Je suis sans mots parce que je l'étais également à ces deux moments-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, les femmes, on a besoin de sans cesse se comparer les unes aux autres, sans cesse essayer de rabaisser les autres pour se remonter. Puis il n'y avait même pas de parole dans tout ça, mais on sentait quand même que dans les deux situations, c'était exactement ça qui se passait. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il semble que tu vois une belle fille, ben, dis-y, si t'en trouves belle, dis-y, puis tu vas faire sa journée, puis peut-être qu'elle va te regarder croche, puis qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle veut, elle. Mais au moins, toi, tu vas avoir fait ton effort de ton côté, puis t'auras pas de l'air de la fille super jalouse qui envie quelque chose qu'elle a pas, ou qu'elle aimerait avoir, qu'elle a peut-être, mais qu'elle se rend pas compte qu'elle a. Je sais pas si vous me suivez, pour de vrai, ça m'a exaspérée aujourd'hui, je trouve ça tellement triste. Ça serait le fun que quand tu vois quelqu'un, que je parle pas juste de fille à fille, je parle de gars à fille, de relation, peu importe le genre, peu importe le sexe, peu importe tout, peu importe, name it, ça rentre là-dedans. Je pense que c'est important de dire aux autres, complimenter les autres, dire aux autres qu'est-ce que tu penses. Si t'aimes comment elle est habillée, ben hey, j'aime vraiment comment elle est habillée. La personne, la plupart du temps, elle va tellement bien le recevoir, puis au contraire, elle jugera pas pour ça, elle va juste être flattée, puis toi, tu vas avoir senti que t'as fait une bonne action. À place de passer à côté de la personne, puis de la dévisager, tu sais, peut-être, moi, je m'en suis rendu compte dans cette situation-là, parce que je comprenais pas, tu sais, c'était même pas... On a tendance à faire ça, les filles de notre âge, à regarder un peu, à juger beaucoup même. Puis pourquoi? Parce que tu connais pas la personne, tu connais pas son background, tu connais pas les histoires qu'elle a vécues, tu connais pas peut-être ce dont elle passe à travers aujourd'hui. Tu sais pas sa journée va comment, puis peut-être que elle, le fait d'avoir ce regard-là, mais c'est juste une affaire de plus, puis une couche de plus, puis une couche de plus.
Puis des fois, tu vas peut-être juste être la goutte qui va faire déborder le vase. Je pense que c'est vraiment, vraiment important d'être conscient et consciente des gens autour de nous, d'être respectueux, puis de savoir apprécier. Un, ce que tu as, puis ça, je parle côté entourage, côté bien matériel, mais ça, c'est un tout autre sujet duquel je voulais d'ailleurs aussi en faire peut-être un petit pep talk dessus, le matérialisme. C'est une affaire qui a tendance à nous faire voir la vie de la façon qu'elle n'est pas vraiment, parce que c'est pas ça qui importe. Fait que je pense que si jamais, peu importe la personne qui passe à travers ça, avant d'émettre un jugement, peu importe s'il est négatif ou positif, faut penser dans notre tête à nous, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Puis est-ce que je vais en retirer quelque chose? La plupart du temps, la réponse va être non. Puis si c'est non, ben le jugement, garde-le dans ta tête, même pas dans ton expression faciale, puis continue dans ta journée. Tu vas tellement te sentir mieux dans ta peau si tu rabaisses pas les autres, si t'essayes pas de te valoriser de cette façon-là. Tu vas vraiment te sentir, un, comme une meilleure personne, mais également, tu sentiras pas que t'as fait du mal à personne. Fait que je pense que c'est important de s'aimer soi-même. Si jamais vous avez des petites choses sur lesquelles vous voulez travailler, ben travaillez-les, il est jamais trop tard. Dites-vous que personne n'est parfait, puis il y a personne qui le sera jamais. Fait que si vous trouvez que vous manquez de telle ou telle chose, que vous aimeriez pas avoir ce défaut-là, le corriger, ou quoi que ce soit, il n'est jamais trop tard pour le faire, peu importe l'âge que vous avez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il n'est jamais trop tard pour changer, on va se dire ça. On a tous des défauts, on a tous des qualités, fait qu'il faut embrasser nos qualités puis se dire que le plus important, c'est vraiment la santé. Quand vous avez la santé, le reste, c'est que superficiel. Je pense que c'est vraiment important de pas prendre tout ce qu'on a pour acquis puis de se rendre compte que la chance qu'on a d'être sur la Terre, puis d'être en santé, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir vous regarder cette vidéo-là, moi la filmer. Fait que je pense que c'est vraiment important de faire ça. Si jamais vous n'êtes pas satisfait avec vous-même, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour changer. Fait que, petit mot de la fin, s'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres. Si vous, je sais que je me répète, mais si vous trouvez que quelqu'un a est bien habillé ou que quelqu'un, puis ça c'est simplement superficiel, on va se le dire là, mais si vous trouvez que la personne est jolie, dites-lui. Si vous trouvez que la personne est gentille, dites-lui. Des merci, des s'il vous plaît, ça a jamais fait de mal à personne, puis ça va juste en bout de ligne vous faire sentir mieux dans votre peau, et c'est ce qui est le plus important. Alors je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous allez en retenir quelque chose, puis on a tous quelque chose à apprendre de tout le monde, dites-vous ça. Tout le monde peut vous apporter quelque chose, il suffit juste de les connaître. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté, et puis nous on va se revoir avec une prochaine vidéo jeudi prochain. Bye bye tout le monde. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bonne, vous êtes bon, vous êtes capable.